Bonjour, bonsoir, bienvenue, yon autre fois encore dans Théologie et Société sur Radio Télé 80EH, la Voix Évangélique d'Haïti. Moi, c'est Storley Michel. Bon, je pense que c'est un pléonasme pour me dire content, on connaît ça, je suis toujours content avec vous. Et jeudi, on a fait le dernier programme que nous gagnons dans la série que nous avons fait avec Dr. Joseph Voltaire, qui est pasteur première église baptiste dans au Cap. Et série émission ça c'était à l'occasion bien c'est à l'occasion 200 ans et baptiste témoignage baptiste en Haïti et c'est belle bagaille nous t'ai parlé de plusieurs causes nous parlé de théologie nous parlé d'histoire côté balance aussi et jodi an on va plus parler de activité qu'a fait yo pendant et période 200 ans qui c'est dans mois décembre 2023. Donc, c'est réellement un plaisir pour que nous soyons capables avec vous. Merci, et Dr. Voltaire, parce qu'on est avec nous encore. Et si vous avez raté un programme, pas oublié, ou qu'à toujours et vérifier, checker Channel 80EH ou bien podcast Théologie et Société. Et c'est sûr que vous êtes capable d'écouter n'importe programme, n'importe le, et pas moins. Pasteur Voltaire, nous comptons encore avec nous. Bienvenue à la CAEO. Bonjour, bonsoir. Pour n'importe qui qui a écouté nos côtés courriers, particulièrement Storley, nous toujours un plaisir de le petit garçon. Un petit garçon pour parler de fierté, mon ami. Moi, j'ai une appréciation tout à fait spéciale pour l'administration Radio 4VH, pour l'ouverture et dans tout domaine, musique, connaissance générale, et particulièrement fenêtre ouverte sur l'histoire. Et que moi, quoi, qui très prisé, que toujours monde qui tendait l'émission, qui tendait, même des questions que mon essai chercher, on dirait pour dire, est-ce que c'est comme ça, est-ce comme ça? Et même ma tête, même, je voulais pour ton précision par mon dernière question, stop de parler de qui, monde qui pensait que l'église, c'est ok, ou bien rôle l'église par rapport à l'esclavage, et de me se garder que de bon précision de manque bail par exemple dans le code noir de Colbert 1825 jeune article 5 défendant ça c'est pour mon guide besoin précision défendant à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets même à leurs esclaves dans le libre exercice de la religion catholique apostolique romaine à peine de punition exemplaire, c'est juste pour dire que il y avait pas pendant la période dite coloniale française pas de gain l'Église protestante. Ou bien la colonie française c'était même puni de capini. Bon, juste pour capable dire comment programme ça et pour encourager monde qui a peut-être avec partir pasteur Storley qui mettait programme sur pied comment que le gain rayonnement intellectuel spirituel là-dedans et c'est ça fait que devient content participer là-dedans. Merci un peu, passe et nous va parler de programme non mais avant nous arriver là je jure mes fonds petit pont parce que il y a deux aspects et je pense qu'il est important que nous préciser comme moi pour tes précisions premier c'est par rapport à, et nous t'ai parlé de l'Antichrist même parce que c'est bon que nous préciser encore par rapport à célébration ça est-ce que c'est fait oui 14K parce que c'est et un peu le monde qui a dit ah c'est pasteur Voltaire qui a invité c'est lui qui pasteur première église baptiste au Cap semblait c'est fait première église baptiste ou bien est-ce que c'est un bagage qui plus grand que première église baptiste dans au Cap moi j'ai une confusion ça et même dans participation pour pas même dire hésitation et plusieurs monde. Et c'est pas fait le 14K que lié bien que dans et fait dans célébration antécédente et il est toujours concentré sur Cap Haïtien et l'arrivée au Cap Haïtien l'église baptiste au Cap Haïtien d'avoir dit c'est parce que quartier général là c'est côté que nous réunis et dans comité A Anessa ou bien même nous fait tout ça capable pour le 14K c'est un membre par exemple un pasteur Voltaire c'est membre commission que moi et dans la commission ça que nous avons plusieurs autres monde qui dans l'autre église qui là-dedans et ça et pas possible capable faire et d'indiscrétion ça mettre personnalité
dans la marche que nous avons fait, nous avons plusieurs monde, par exemple l'église évangélique et de la rue 12, eux, non seulement pasteur, mais j'ai grande publicité, même dans la contribution, nous dit le baptiste, même dans la contribution sans telle que nous avons fait, l'église de la rue 12, eux, qui sont l'église évangélique, les gagnent contribution. Et ça, qu'a fait, et ça, pour le dire, nous avons un monde dans l'église là, qui recevra, dans la commission, recevra une offrande d'un frère de l'église adventiste. De l'église adventiste et qui voulait offrande pour Stella parce que Stella c'est qui va parler du côté baptême pas immersion de baptême évangélique et pas seulement et pas baptême et d'abandon et ça que nous le baptême de Jean baptême là non Jésus-Christ donc mon frère de l'église adventiste qui voulait offrande et qui non lui adresse c'est ce que tu fais là pas fête rue 14 et cas et en 1973 c'était là que il était fait pour 150 ans et 200 ans c'est normal que il fait là. All right, so il y a deux aspects dans la question, il y a aspect c'est-à-dire ecclésiastique là, aspect religieux hein, et ou mentionner ça, ça veut dire n'importe monde qui est avec nous qui a écouté et célébration du baptisme en Haïti, et c'est pas nécessairement yon l'église locale, mais c'est yon dénomination, et j'en te dis ça parce que je te prends note tout, parce et même si je prends note, l'on t'a parlé de, au commencement, baptiste, t'es presque représenté protestant, ou bien évangélique, oui, même oui, si mon nan n'importe dénomination, il dit, ben, comme si c'est mon baptiste. Je dis toujours, même si mon baguette, bon, et non, ouais, moi dans tribunal telle façon du monde un tel son baptiste. Et c'est comme ça m'était là mon et depuis mon a dit que bon, m'était du baptiste veut dire que moi pas catholique. C'est comme si mon prend de l'église catholique un bon baptiste moi pas catholique. Protestant c'est baptiste, c'est l'idée à ça. All right. Deuxième aspect, tu as commencé à toucher le tout, mais quand même, m'a mentionné quand même, c'est l'aspect géographique. Non? Et parce que nous, au Cap, Radio 80UH au Cap, et première église baptiste du Cap haïtien au Cap, et nous étant bas en nord, et précisément, donc là encore, question, c'est l'aspect géographique, bien que tu aies parlé anti-crasse de lit, est-ce que c'est fête protestant au Cap, est-ce que c'est fête protestant en nord, ou bien est-ce que c'est une célébration, tu as dit, qui touchait n'importe protestant haïtien, n'importe côté oyé et en Haïti et à l'étranger? Ok, l'idée, c'est ça, encore, la question que je pose là, c'est fait tout protestant. C'est surtout, et c'est dans le principe. Les principes que nous, les principes baptistes, ils ne sont pas pour baptiste. Ils ne sont pas pour baptiste, ils sont pour la Bible. Et baptiste là, c'est effort. C'est imitation de Jean l'Église Théier ou bien Jean l'Église Douyé d'après récit Nouveau Testament. Et c'est pas baptisé seulement qui gagne baptême par immersion, c'est pas baptisé seulement qui gagne Jésus-Christ seul Seigneur, seul Sauveur. Et c'est pas baptisé seulement, et peut-être c'est baptisé avec l'accent sur le sacerdoce des croyants, côté que les croyants s'y prêtent, n'ont pas besoin de monde pour n'être contre bon Dieu. C'est pas baptisé qui dit ça seulement. Et c'est pas, c'est peut-être ces baptistes qui plus mettent accent sur l'autonomie de l'église locale. Et pendant la bise, il y a une église baptiste qui parle d'autonomie de l'église locale. Quand d'autonomie de l'église locale, à savoir qu'il pas gagnant, et nous t'ai parlé, pas un bishop, pas un maître l'église, il pas gagnant monde qui mourit pour le quitter pour petit clé. Alors que il y a l'église qui le dit baptiste, pour l'église à baptiste, alors que il pas sur le principe ça. C'est pas baptiste seulement une séparation de l'église avec l'État. C'est des principes que nous venons dans la Bible, là, que baptiste ont été faits depuis le 17e siècle, nous avons dit identité, parce que nous parlons de principe baptiste, il y a principe et identité baptiste, et qu'il y a plusieurs autres groupes qui adoptent le même principe. Si là, c'est deux fois qu'on retrouve là-dedans, et que, bon, je parle de baptiste, mais on a une place dans la célébration, ça, et ça a commencé il y a 200 ans de cela. Et quel prend l'autre nom qu'aurait le baptiste ou pas suivi, au contraire, mouvement s'attardé et interpellé toute l'autre l'église, parce que baptiste avait des baptistes. En dans la Bible, on regarde Jean l'église du Nouveau Testament fonctionner, on regarde Jean Jésus-Christ dit l'église douée,
Et bon, même s'il était n'importe non, on a une place quand même dans la célébration d'affaires. Pasteur Dr. Joseph Voltaire, ou même c'est pasteur Première Église Baptiste dans le Cap, bon, t'as dit où c'est pasteur homme. Et, mais comme journaliste, passe, vous pouvez le permettre de me poser quelques autres questions, t'as dit, et, qui n'est pas facile, mais quand même, je pense que c'est rôle, nous, comme journaliste, pour me poser. Et pour la première semaine, la question, ça, c'est pour qui ça, c'est au Cap, et t'as dit concentration, en fait. Est-ce que c'est celle au Cap qui doit fêter? Et comme si, pour qui ça c'est au Cap? Parce que quand même, on t'a dit, on baptiste, on chrétien baptiste, qui a coûté nous au Cap, qui a coûté nous pour le prince, qui a dit, bon, nous-mêmes, semblons nous pas là-dedans. Qui ça nous t'a dit de structure? Est-ce que c'est bah, qui réservé au Cap seulement, ou bien qu'importe zone, t'es qu'à faire n'importe gens pour y célébrer? Comment structure là-y? Bon, c'est ça que nous souhaitons, c'est ça que dans la planification que nous avons fait pendant plusieurs mois, que plus et c'est vrai il y a plusieurs célébrations du bicentenaire baptiste qu'a fait actuellement gain par exemple l'université Lumière qui a un colloque un séminaire qui a un programme extraordinaire et sur du bicentenaire et nous quoi radio Lumière gain un rubrique et baptiste au caille et sur bicentenaire. Aux États-Unis, à l'étranger, je parle avec Charles Roumain et plusieurs autres monde, plusieurs concentrations baptistes. Tu es à Brywood, en concentration baptiste. À Boston, tu as parlé de une semaine de baptiste. Et au Cap, là, bon, pas le tourner en superstition comme un lieu de pèlerinage, c'est un symbole. C'est là que l'y commencer et c'est là le premier. Nous venons au Cap. Bon, il a tourné une attraction touristique pour venir garder qui côté premier baptême l'a été fait et tout livre d'histoire et même dans annales ou bien dans récit Alliance Baptiste Mondiale toute l'autre agence baptiste vous reconnaître que c'est un pasteur noir américain et tête chauve de Thomas Paul qui est très très intéressé d'avoir dit non seulement sur l'évangélisation mais aussi sur la promotion sociale et intéressé à ça qui est passé en Haïti. Que les Noirs américains, un peu partout dans le monde, j'ai une fierté là-dedans, ils viennent en Haïti. Et je ne dis pas que ce n'est pas une chance, mais le Seigneur voulait que c'est ça qu'il fait. Ça que nous réunions au Cap, premièrement, pour découvrir le Cap haïtien, pour découvrir la place et côté baptême des fêtes, et ça fait que nous stèle Cap fête là, et qui pour tout le monde. Il ne va pas écrire ni le carton, même baptiste, il ne va pas écrire là-dedans. Il marque courtoisie de la communauté protestante d'Haïti. Ouais, pour que nous kembe l'idée à faire l'âge, à savoir que ça qui a fait là, le baptême par immersion, et c'est pas nous réellement pas voulu que concentrer à yon l'église. Et dans plus, autant plus que l'église au Cap, et a pendant un bon temps, était à la traîne de l'autre côté, qui était plus développé, et l'œuvre baptiste, par exemple Jacques Mel, Saint-Marc. Et même tout près de nous, la Grande Rivière du Nord. Nous prenons la Grande Rivière du Nord dans la semaine ça, dans la semaine caravane du bicentenaire. Et la Grande Rivière du Nord, et on temple avant l'église baptiste au Cap. On temple construit la Grande Rivière. L'église baptiste de la Grande Rivière du Nord, on temple avant, pendant que l'église baptiste au Cap a un petit tonnel. Il y a un aspect, parce que nous sommes obligés de prendre bah, l'argent lié, c'est qu'on s'appelle, donc il faut nous dire. Et les activités, ça, la question toujours posée, c'est financement. Je dis, est-ce que mon cob qui baille en côté, c'est un coup, bon, on a dit, c'est un coup de la carnaval en côté, tel pays dit, il recevra tant, il n'y a pas de faire, il y a pas de faire, etc. Donc, je pense que la question financement, tout, c'est qui ça passe, qui monde qui baille nos cob, comment nous faire arriver à financement pour bicentenaire? Non. Nous arrivons à financer jusqu'à présent, dans le moment que je parle avec vous, que l'émission, notre coût d'émission, nous n'avons pas de financement d'aucune agence étrangère. Et je suis très fier même que c'est nous-mêmes. Nous avons l'église baptiste qui, aux États-Unis, même, particulièrement l'église baptiste au Cap, qui est très fier, qui est au Cap. Et bon, il y a des gens qui m'ont dit nous faire crédit, ils ne peuvent pas envoyer à vous, mais nous n'avons aucune agence étrangère, aucun blanc.
Bon, moi-même, je suis bien content. Nous n'avons aucun blanc qui participe. Ça que nous avons fait, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas ni Américain, ni Français, ni Brésilien. C'est Baptiste, évangélique, protestant dans le Nord, et particulièrement pile membre de l'église Baptiste au Cap. Et Genaro qui tendait sur un retard, Dieu profite de vous et aux contributions parce que nous avons un trésorier, il est réellement à bout d'argent et il faut que vous jouiez une bagaille pour faire une semaine ça et ça coûte un bon petit cob. Par exemple, Stella a sorti, nous avons pensé que c'est 2 millions de gouttes, 15 000 dollars, il est passé de 15 000, il est venu 18 000, il est venu 25 000 et cela sans que nous ne payions ni architecte. Ni ingénieur, parce que c'est deux petites de l'église baptiste. C'est Nid Achille avec Saint-Idore, qui fait conception, qui a travail, qui lit sans que nous ne payions. Ça veut dire que nous avons tant de contributions. Nous remercions plusieurs qui font. Et déjà, nous avons tant de contributions. Nous avons un numéro zèle qui est capable de faire. Il y a des gens qui ont fait par Western Union, même jeune que nous avons un et il y a plusieurs monde qui dit bon c'est l'église baptiste moi même c'est Westligen de façon patade li pour tout haïtien d'ailleurs que et nous gain il pour la ville du cap haïtien aussi n'a fait n'a pas dit dans dimension et passé au cap présent au cap en façon pour remembrer au cap dans tout ça au cap yé dans tout ça dans nordouyé et bon nous pas qu'à bâtir citadelle la Ferrière qui c'est référence pour tout le monde mais au moins nous avons un bagage que tout haïtien joigne là-dedans qui tout baptiste que catholique c'est mon cap courrier de ce domaine ça que nous est-ce que quand même dans un contexte qui est si difficile côté techniquement tout le monde pas qu'à manger bah difficile est-ce que c'est vrai nous t'a dû dépenser comme ça yo a fait activité ça et spécialement Stella qui coûtait quantité comme ça. Donc est-ce que ça fait partie de et ça me t'a dit et historicité non tu as quand tu as parlé de est-ce que nous avons perdu aspect ça parce que nous pauvres qui t'aime poser question comme ça plutôt. Bon oui nous pauvres mais chaque nous garder ça bon Dieu fait pour nous ça bon Dieu bye nous. Nous pas dans état comme si on avait dit que pendant que nous pauvres là nous fait fête nous fait bal nous fait festival nous fait bon et même il y a plusieurs étrangers qu'on a ensemble avec nous et on connait une autre image de ça que qui a pris ça sociologue ça ici même on a dit que nous tellement pauvres. Il y a un étranger qui vient là avec nous, qui garde, qui joue l'église propre, qui joue un banc propre, qui mange, vous avez dit, que nous pas pauvres, nous pas vendre pauvreté, nous, bien que il y a plusieurs, nous pauvres, nous pas tant que quelques pays qui viennent, mais en même temps, nous disons, Seigneur, pas j'en m'abandonner, non, mais bien, verset, un membre de la communauté, c'est Serge Léon qui dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Ça n'a pas empêché que, nous glorifier bon Dieu, ça va empêcher que bon Dieu pas abandonner nous. Ça veut dire que dans ça que bon Dieu baille nous, dans pauvreté nous glorifier bon Dieu là-dedans. Nous pas qu'à faire un gros bagage, nous pas qu'à faire citadelle, mais pour faire tout ça pour bon Dieu, et pour ça bon Dieu fait pour nous, même dans santé, ça bon Dieu baille nous dans santé, ça bon Dieu baille nous pendant 200 ans, ça bon Dieu baille nous dans protection, et que le baille nous. Que moi pas bon si nous devons comparer là avec l'autre l'argent que nous avons gaspillé dans carnaval dans bal que tout dernièrement dans ici après dans bal c'est il pas qu'à faire ton côté Port-au-Prince il fait Saint-Domingue avion pas gain place avion pas gain place pour mener monde qui va dans bal dans jazz États-Unis qui va dans bal Saint-Domingue alors que offrir quelque chose à Dieu qui va nous toute bagaille et nous avons dit encore, il n'y a pas forcé. Nous n'avons pas dit aux gens qui ne sont pas faits de telle façon. C'est les gens ça. Et tant que les chrétiens de Macédoine, ils ont quitté parce que les pauvres disent, mais non, nous n'avons même participé. Et nous avons dit une offrande que le comité bicentenaire a joué. Nous avons quelques offrandes qui étonnent nous. Nous n'avons pas de croire. Nous avons dit oui, moi-même. Et nous avons étudiant, c'est un exemple. Il y a un étudiant qui a gradué. Il y a un monde fait le cadeau
et on veut faire le cadeau et $40 américains li baili et comme contribution par nous même bâti c'est particulièrement ne pas forcer moun bay offrande il pas dire combien pour bail et mais yo invite au contribuer comme façon pour glorifier bon Dieu comme façon pour glorifier bon Dieu. C'est ça. Yeah. Et qui ça on stèlie? Parce que nous utilisons le mot ça comme si on nous connaissait. Qui ça on stèlie? Bon, on stèlie. Moi, c'est un mot français qui veut dire un monument. Et nous n'avons pas de photo de monde là-dedans. On a dit un monument, une place. Et un lieu où le dictionnaire dit. Mais des monuments, on stèlie. C'est un côté. Qui n'aime dit un hôtel que vous faites avec un bagage qui plus ou moins symbolique nga gon stèl que bon il me prend et quelques bagay que mon ta connaît nka gagne un stèl pour des salines nka gagne un stèl et nka font stèl bracaïma pour moto qui côté besoin ou ka font stèl vertière son stèl avec monument là-dedans et ça que nous non stèl il y a un symbolisme là-dedans son bible ouverte et avec un flambeau qui fait en marbre pour protéger le contre la mer, mais c'est ça, on se tèle. Un lieu, une place, et qui gagne un bagage qui attire l'attention. Nous, il y a un monument, mais c'est pas un monde. Nous n'avons pas de photo, un monde là-dedans. Nous n'avons pas de Thomas Paul. Nous avons une contribution au monde, nous avons un temps, nous avons une histoire, mais nous n'avons pas de lieu, nous n'avons vénéré ou nous n'avons honoré. C'est bon Dieu qui nous honoré. Parce que nous arrivons dans le programme, parce que vous n'avez pas dit le programme. Et quoi nous disons, on commence le 10, si Dieu veut, et qui c'est dimanche, cap dimanche de la Bible. Mais la Bible, okay. Qui ça cap gain dimanche, si Dieu veut, dimanche cap 10? Bon, dimanche cap 10, là, bon, si vous voulez prendre la Bible, c'est dimanche de la Bible qui a célébré dans toute l'Église. Moi-même, c'est un membre de Conseil d'administration de Biblique m'a encouragé tout le monde aussi. Parce que nous dit que Baptiste, c'est le peuple du livre. La Bible, là, on dit ces outils baptistes, ces outils évangéliques. M'a encouragé toute l'Église, faire les petits tout bien contributions pour la société biblique qui permettent que éditer la Bible et qui vendent plus bon marché. Dans l'après-midi, on a dit bicentenaire, nous pas oublier la Bible, non, mais bicentenaire, l'a commencé. Avec possession, barrel en marche qu'on est à possession. Bon, mon gars cherche des définitions, mais c'est des chrétiens qui après témoigner, manifester foi. Parce que le baptême par immersion, pas seulement le baptême plongé dans l'eau, c'est le croyant, c'est le baptême par immersion des croyants. Soit dans la plage ou plongé dans l'eau, tout, mais c'est tout à fait différent. C'est pour témoigner que nous quitter le monde, nous quitter Satan. Pour nous suivre Jésus-Christ. Et nous avons l'église, yo, plusieurs églises. Que, et même qui ont espace, si on l'église évangélique ou bien baptiste, qui voulait participer dans l'événement, ça, 2 heures de lieu de rendez-vous à Rassemblement Collège Pratique du Nord, et pour nous aller, qui n'est pas trop loin de la place côté nous va hier. Il est nous va dévoilement, c'est découvrir ce là dévoiler pour qui s'allier. Bon. Et ou même découvrir pour que ça lié nous va gagner baptême par immersion et là nous remercier plusieurs monde déjà qui aidé nous gagne monde qui accueilli nous dans zone ça gagne même monde qui il servi nous de guide gagne monde qui ça bagaille gagne monde dit non c'est monde protestant monde baptiste qui a bâti un bagaille là parce que ça fait 200 ans nous apprécier monde c'est là particulièrement mon monsieur qui a un business un restaurant qui là il aidé nous. Et même couler de nous pendant que nous travaillons sur cette là, mais j'ai dit que ce n'est pas possible. Même les pêcheurs sont ramassés les poissons, mais ils viennent gratter les poissons. Et notre système là que nous faisons là. Bon, nous sommes bien contents et tout le monde qui est aidé nous. Toute semaine, ça, c'est semaine d'activité, de caravane du bicentenaire. Côté toute l'église, ça y est, et l'église dans la zone, yo, et ou concerné dans un bon lieu. Par exemple, pour Fort Saint-Michel, et côté que nous allons en lundi, l'église Béthanie du Paix. Et côté feu pasteur Célicout a dirigé et toute l'église qui est dans la zone la Titans au Cap Haïtien dans toute l'église dans Fort Saint-Michel toutes venir ensemble pour que nous réunions à 4h de l'après-midi et ça c'est moi c'est pasteur José Jacques qui a de l'église Baptiste autour qui a prêché et il y a encore de, toute la Titans Madeleine en mardi nous va dans plaine du Nord il y a une liste déjà pasteur Tony et tout l'autre pasteur qui dans zone là pour que nous réunions dans l'église
Baptiste la Plaine du Nord que pasteur Wilnick a dirigé. Et dans mercredi, nous va à la Grande Rivière du Nord. Grande Rivière du Nord, c'est sur garde Grande Rivière du Nord. On connaît un homme tant que Jean Price-Mass, c'est le Baptiste. Papa Jean Price-Mass, c'était diacre dans l'église Baptiste. Grande Rivière du Nord, c'est toute une histoire de l'église Baptiste que nous avons réunie là en mercredi. Et en jeudi, autour du Nord, c'est toute une histoire de Baptiste qui sortit au Cap, et au monde autour du Nord, qui convertit au Cap haïtien. Et son ministère pasteur Daniel qui tient calé tout du Nord et tout du Nord avec l'église baptiste au Cap tout ensemble ils évangélisent tout et même en République dominicaine c'est monde nord-est ça yo qui évangélise qui implanté l'église jusqu'à la Romana dans les baptêmes et vendredi nous avons réuni à Redford c'est là qui est dernier et rassemblement qui est encore toute notre l'église et à, pour que c'est réellement une grosse manifestation à la gloire de Dieu qui kembe nous pendant 200 ans. Et dimanche matin, le clou, c'est à la 14K. Et, bon, permet que son monde qui est timide, il y a Mme René Perra qui est plus ou moins, moi-même dehors, je suis dans la Bicentenaire, mais je prends responsabilité de l'église. Puis, et là, nous venons. Et nous va jeûner avec nos invités. Il y a des invités qui ont sorti Boston, qui ont commencé à entrer depuis jeudi, qui ont sorti New York, et nous avons aussi des missionnaires et qui ont envoyé des délégations. Et bien, l'Église est venue pour célébrer un gros événement ça, et avec nous au Cap Haïtien. Et dans la soirée, à 4 heures, dans l'après-midi, c'est le concert du bicentenaire. Chorale, ça a gagné même toute l'église baptiste, l'église baptiste de l'espoir, l'église baptiste Samarie, l'église baptiste Redford, sous leadership pasteur Smith Pierre, qui c'est un pasteur de l'église baptiste au Cap actuellement. Il est un gros musicien et c'est lui qui compose le chant du bicentenaire, au cas je ne suis sur YouTube. Et lui, moi, il a une préoccupation pour même vous et des délégués dans l'église côté qu'après le faire. Dans la caravane, on peut passer pour faire moun nan quartier apprendre chant et 200 ans, ça qui réellement c'est un chef-d'œuvre. On a encouragé K2VH passer surtout pour nous, pour nous apprendre et connaître parce que K2VH c'est moyen que tout le monde entende. Merci en pile, Pasteur Walter. C'est réellement opportunité pour nous souhaiter à vous-même comme pasteur, première église baptiste dans vos Cap, à vous-même comme membre. Commission du centième an, à vous-même comme chrétien, à vous-même comme chrétien évangélique, et joyeux 200 ans, joyeux bicentenaire, et nous apprécier côté avec nous. Joyeux 200 ans pour vous-même, Stoli, joyeux 200 ans à tout auditeur, nous, tout le monde qui croit dans la Bible, la parole de Dieu, tout le monde aussi qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, nous, c'est l'inap célébré. Joyeux 200 ans à Radio 4VH. Radio 4VH joue un grand, grand rôle, je crois que c'est l'occasion pour nous. Remercier mon Dieu pour le ministère Radio 4VH et nous avons demandé qui ça. Et les baptistes là, c'est ça l'œuvre là, t'as bien si nous pas de nous outils pour Radio 4VH. Encore bonne fête à vous-même, que mon Dieu bénisse. Décembre 1823, décembre 2023, célébration 200 l'année témoignage baptiste en Haïti. Après gros lancement qui était fait dans date 29 octobre là, nous va clôturer activité célébration 200e baptiste yo à qui on semaine chargée sorti 10 pour arriver 17 décembre 2023. Nous va lancer activité yo dans dimanche la Bible là qui va 10 décembre 2023 à 3h PM dans carénage dans ville au Cap côté nous va symboliquement gain baptême avec plusieurs l'église dans même espace côté premier baptême par immersion t'est fait sur toute l'île d'Haïti. Ça va tout occasion pour nous dévoiler Stèle 200e l'an, yon bel monument symbolique qui va marquer importance gros événement ça et camper comme témoin fidélité bon Dieu pour l'église li, pour l'histoire et pour génération qui a vini yo. Vin rejoindre peuple bon Dieu dimanche 10 décembre 2023 à 3h PM dans carénage pour participer dans baptême et dévoilement Stèle 200e l'an. Yon événement historique que ou pas doit rater, yon occasion spéciale pour nous louer bon Dieu et célébrer foi nous dans Jésus-Christ qui c'est roche solide là. N'attend nous.